Histoire, Mamie Pi, joueur. Je vais vous raconter une histoire. Je préviens à tous que je ne suis que le conteur d'histoire. Je vous topo comme au carrefour, comme au carrefour. Bref, c'est une fille qui m'a envoyé une histoire. J'ai lu l'histoire, elle est vraiment terrible. Elle est vraiment scandaleuse. Elle est vraiment... Ça me fait mal au cœur. C'est une jeune fille de 26 ans. Elle vit en Europe, elle est étudiante. Elle a sa meilleure copine qui s'appelle entre eux les besties. Ma soeur d'une autre mère, ma meilleure copine. Ils vivaient ensemble en colocation. Sa soeur, enfin, son ami est allé louer ailleurs il y a quelques temps. Et récemment, la fille a rencontré un jeune homme camerounais. Enfin, jeune homme, il a la trentaine, il a plus de 31 ans. Il travaille dans un pays où il y a beaucoup de banques. C'est un gars qui gagne bien de l'argent. Et c'est un investisseur. Il est ce qu'on appelle un multi-investisseur. Il est fait. C'est un Camerounais gagneur, winner. Bref, la fille est tombée amoureuse comme l'épilepsie. Vroom. Ils sont ensemble, tout va bien depuis 4-5 mois. Le gars envisage du sérieux avec elle. Et sa meilleure copine, parfois, il se salue, il se dit bonjour. Un jour, maintenant, la fille est partie en stage dans un autre pays. Pour quelques jours, je crois. Et sa copine est passée à la maison remettre un paquet qui était destiné depuis quelques temps. Donc, c'était un conclure, en tout cas, elle devait passer déposer. Et le jour qu'elle passe à la maison, elle trouve ce jeune homme, ce banquier à la maison, le gars de sa, enfin, le fiancé de sa copine. Le gars était en train de cuisiner. Il faisait soit c'était le coq, soit c'était le ndolé, soit c'était le taro, soit c'était la sauce d'arachide et le riz de ntonga. La fille dit, qui? Tu ne sais pas cuisiner? Attends, je te montre, non, Fabien. Attends, je te montre, non, Eric. Tu montres comment cuisiner, non? Elle entre à la cuisine du gars. Sa copine n'est pas là. Elle entre à la cuisine. Le gars dit, montre-moi comment on cuisine, comment on tourne. Elle avait mis physiquement un legging, moulant, avec les fesses, man. La mine a les formes. Elle est belle. Elle a le moi, monsieur. C'est ça, le banquier dit, bon, aide-moi, là. Pendant que la fille se tourne en cuisine, c'est les filles quand même, comment elles sont belles. Elle se tourne en cuisine, elle montre comment faire le coq, oh, comment faire le taro, oh, comment faire le cuit, oh, elle tourne. Et tu vois, le gars regarde les formes, ça bouge, ça bouge, ça bouge. On ne sait pas ce qui s'est passé. On entend ça, la fille crier un moment. Le gars est en cuisine, au salon. Oh Fabien, viens m'aider, le courant a sauté, viens changer d'ampoule, tout est grillé. Le gars arrive dans l'obscurité, il voit un haricot jaune, joueur, au sol. Les cris, les griffes, mbinda, problème. Voilà qu'ils ont bien chargé. On ne sait pas ce qui s'est passé. On a seulement entendu que la fille disait que c'est très bon. Mets dedans, mets la salive, elle retire, elle met dedans. Le gars aussi, je suis banquier, je vais investir au Cameroun. Oyo, oyo. Voilà les problèmes. Elle est partie, non, maman? Joueur, ils ont tué le secret. Voilà que la fille est rentrée de son stage. Quelques temps après, en fouillant tout, elle est tombée sur les messages entre eux. Elle est tombée, elle a su que la fille était passée, ils ont tiré. La fille expliquait que oh, tu es passé, tu n'as pas mis les prisons. Oh, j'ai fait le test, il n'y a rien. Toi, de ton côté, tu as fait le test parce que moi, je ne voulais pas moi. Bref, il s'excusait. La fille est tombée. Elle s'énerve. Tu m'as trompé. Ma meilleure copine, la fille de notre mère, comment tu mis là, mon gars? Elle demande le gars dit que non, c'est le diable. Elle est venue en cuisine. Comme les filles, quand même, ont des gros matéco. Je ne pouvais pas résister. Elle a secoué, je suis tombée. Ouais, excusez-moi, c'est le diable d'ailleurs. On se marie en décembre. Pour m'excuser, je vais t'épouser comme tout était prévu. Parce que les parents se connaissaient déjà. La fille dit, non, je ne me marie pas avec un homme qui m'a trompé. Tu m'as trompé, copine. La bestie de son côté. Ah, c'est quoi ça? Laissez ça. Voilà le problème. Elle a appelé la famille. La famille du gars de ma soeur, ma fille. Laisse, ce n'est qu'un léger. Les hommes sont comme ça. Elle dit, non, je suis pas d'accord, je suis en Europe. J'ai des principes. Je ne peux pas épouser un homme qui m'a trompé. Wow, wow. Elle met sur le terre. Maman, tu vois, Mamba. Ananda, dit que non. Ananda, donc je vais me mettre sur la page. Chacun va me dire son avis. La fille demande que est-ce qu'il est mieux qu'elle épouse ce tireur et pleurer ou alors elle dit non, j'ai des principes et reste Ndjomba. Voilà la question. Elle va refuser un mariage pour un léger monsieur. Les filles, comme on a une question à vous. Si c'est vous à la place de la fille, le gars que tu veux épouser qui est un investisseur qui a tout, a donné un léger par accident. On ne sait pas ce qui s'est passé à ta copine. Il a versé dedans. On ne sait pas ce qui s'est passé. Tu vas refuser de te marier à cause d'un léger alors qu'il n'a pas mis le cœur. Waouh, les gens te dérangent quoi? Onga nananouge. Azibou jouno. Batibo, agrefa maladie. Agrefa mené, agrefa enceinte. Agrefa, où tu es ainsi? Waouh, pas que ma principe. A pas polygamie. Waouh, man. L'histoire est terrible. En tout cas, la fille va décider. Soit elle épouse le bandit et chasse sa meilleure copine. Mais elle a arraché son gars. Elle chasse sa meilleure copine. Elle s'est mariée. Ou alors elle dit. J'ai des principes. Un homme qui trompe, on ne l'épouse pas. C'est ça le mariage. Il est mieux de pleurer, étant marié au Cameroun, éviter tous les radios, toutes les télévisions, faire un grand mariage princesse, que de le dire alors, non, je me marie pour Cameroun, j'ai des principes, je te vis. Et si elle vit le gars, sa mère copine va venir. Ah, tu dis ça. On va voir.